Bonjour, c'est Thierry. J'ai choisi de vous présenter comme produit un booster de démarrage. Il s'agit d'un booster professionnel distribué par le Bricosor. Donc pour démarrer toutes sortes de véhicules équipés d'une batterie en 12 volts. Le colis contient un booster, son bloc d'alimentation avec un fusible de remplacement, un cordon de connexion allume-cigare qui permettra de maintenir le véhicule sous tension, ainsi que sa notice d'utilisation. Le bloc d'alimentation permet d'alimenter en énergie électrique le booster. On pourra donc connecter d'un côté la prise électrique aux 220 volts et de l'autre côté la connexion allume-cigare à l'emplacement allume-cigare prévu sur le booster. Au dos de l'appareil, on retrouve deux emplacements pour enrouler les câbles et ranger les pinces. Les câbles sont d'une longueur de 1,60 m et d'un diamètre de 25 mm. Les pinces sont lourdes et paraissent résistantes. En enlevant la poignée, on s'aperçoit qu'elles sont en laiton et d'une bonne épaisseur. Un fusible de remplacement est prévu pour le booster. Pour avoir accès à son emplacement, il suffit de démonter la poignée de la pince rouge et de procéder à son changement. Des témoins lumineux permettent de voir si l'appareil est chargé. La connexion des pinces sur la batterie de la voiture se fait d'une manière standard avec la pince rouge sur la borne plus, la pince noire sur la borne moins. Pour maintenir le véhicule sous tension lors du changement de la batterie, connectez le booster à la prise allume-cigare du véhicule. Pas très encombrant par contre, hein, il fait environ 35 cm de long par à peu près ici 17-18 de large et une trentaine de centimètres de haut. Donc c'est un produit que l'on trouve chez Bricosor. C'est la marque Kraftwerk. C'est le booster professionnel 12 volts 24 ampères heure. Il a une intensité de démarrage de 950 ampères. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et puis à bientôt.